Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Ça me gonflait, la Beyoncé du Crétacé. Oh, c'est pas bientôt fini, là? Tu pourrais prévenir quand tu rentres dans ma chambre. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu te crois où, là? Chez les putes écanthropes? Enfin, papa, tu sais bien qu'il y a la soirée chasse et strass ce soir. Et tu crois que je vais te laisser sortir habillée comme une guenon au milieu des Homo erectus? Tu vas me faire le plaisir de te démaquiller et de mettre une tenue convenable. Quel pot de zébu, celui-là! Ouais, là, c'est sûr que tu vas pas avoir froid. Hein. Ils avaient commandé cette combinaison pour ma mère en prévision de l'ère glaciaire. Mais avec la dérive des continents, elle a été livrée avec 60 000 ans de retard. Et en plus, elle gratte! Bon, en tout cas, il faut trouver une solution pour ce soir. Si tu veux que Raon pose les yeux sur toi, tu peux pas rester comme ça. Allez, viens, on va t'acheter un truc en urgence. À cette heure-ci, tout est fermé! Ah ouais, mince! À moins que... C'est une boutique de fringues, ça? C'est THE spot pour tous les ados de l'âge du fer. C'est là que mon frère s'est fait faire son piercing et son tatouage. Mais ils ont déjà inventé l'aiguille? Non, du coup, je crois que c'était bien trash, tu vois. Et ça? C'est pas terrible pour faire des rencontres. Mais en même temps, j'ai lu que l'élégance du hérisson était à la mode. Et ça? Non, en fait, je crois pas que tu sois encore prête pour l'âge du fer. C'est la loose. Écoute, je crois que je vais renoncer. Si je me pointe comme ça à la fête, je vais me faire charrier par toutes les australopétasses de la vallée. En plus, c'est à Perpète, non? Moi, les seules fois où je vais de l'autre côté du volcan, c'est pour voir mon grand-père dans sa maison de retraite. Hé hey! Mais la voilà, la solution! Maison de retraite Notre-Dame du Bon Fossile. C'est là. Mon grand-père et sa copine ont toujours leur fringue de l'époque où ils dansaient le Charlton Heston. Oh, waouh! Comment ils avaient trop la classe à l'époque. Mais comment est-ce que t'as fait pour qu'elle te prête ces pattes d'éléphant hallucinantes? Ça, c'est le chic jurassique. On va exploser le volcan! Et mate la robe! C'est de la peau de tyrannosaure vintage! Dépêche! Ça va pas, là! Mais je comprends pas. Tu savais pas que t'es allergique à la peau de tyrannosaure? Ça doit être les écailles.